le mouvement surréaliste. Moi, je suis fan du surréalisme. Et pourquoi? Parce que justement, le surréalisme, c'est un moyen détourné de montrer le réel. Et on le comprend et on l'absorbe. Enfin, moi, personnellement, je pense que je ne suis pas toute seule, de manière beaucoup plus profonde et de manière beaucoup plus évidente, parce que, justement, c'est surréaliste. Voilà. Et Salvador Dali, donc, que j'adore, puisque c'est un surréaliste. Mmh. Oui, j'avais 8 ans et j'étais avec mes parents et on visitait une ruine d'un château espagnol. Moi j'étais un peu comme ça, sauvage, et je m'éloignais toujours de mes parents. Et je me suis retrouvée face à un couple qui à l'époque était. Je l'ai su par la suite, puisque moi forcément, 8 ans, je ne connaissais ni l'un ni l'autre, mais c'était Salvador Dali et Amanda Lear. Hein. Et Amanda Lear avec des cuirasses jusqu'en haut des cuisses, et une longue cape comme ça, et Salvador Dali telle qu'elle, avec sa canne. Enfin, c'était pour moi, enfant de 8 ans, surréaliste, un couple sorti des ruines de ce château. Quoi. J'avais l'impression que c'était des fantômes. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Et j'ai dit, mes parents sont là-bas. Et ils ont été voir mes parents. Mmh. Et effectivement, Salvador Dali a dit, la petite là, ça sera une artiste. Et par la suite... Et vous avez compris pourquoi il a dit ça? Ah, comme si c'était une prophétie. C'était vraiment comme une prophétie, parce qu'il n'y avait rien en moi où j'ai rien fait de spécial. Mais est-ce que ça vous a marqué à un tel point? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas le. Attends, vous êtes devenu est-ce que vous êtes devenue artiste parce que. Autoréalisatrice. Quelque part, vous avez voulu devenir ce qu'il vous a dit. Ah non, pas du tout. Je l'ai pris. Et effectivement, c'était. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que je ne me sentais pas très reconnue dans ma propre famille. Mmh. Et quand j'ai demandé qui étaient ces gens, et qu'on m'a dit, mais c'est des gens très connus, et c'est un artiste très célèbre et très important, du haut de mes 8 ans, que quelqu'un d'aussi important puisse se tourner vers moi et porter une attention sur la petite fille que j'étais, ça a été quelque chose d'extrêmement choquant pour moi. Et on retrouve la vulnérabilité de départ par laquelle vous avez commencé l'émission. Exactement. Il vous a pas eu, puisqu'il était bien intentionné, mais il vous a montré le chemin par le point faible. Bah oui.